sociétés historiques aident à faire connaître l'histoire régionale. Il y a des sociétés historiques dans toutes les régions du Québec. Il y a des villes qui ont la chance d'en avoir plusieurs, d'ailleurs, ce qui aide à traiter des sujets différents, en quelque sorte. Et notre rôle principal est de mettre à la disposition des citoyens des éléments de leur histoire, que ce soit des images, des documents écrits ou des artefacts ou d'autres éléments de nature documentaire au sens large. Alors, notre rôle, c'est principalement auprès de la population, auprès des municipalités qui peuvent nous demander parfois des informations historiques qui vont les aider à faire progresser certains projets. On a un rôle aussi en termes de recherche régionale. Alors, on a parfois des demandes d'étudiants qui font des mémoires de maîtrise, des thèses de doctorat, divers travaux et qui recherchent de l'information au plan régional. Alors, à ce moment-là, c'est important, c'est d'autant plus important d'avoir des archives qui sont bien classées, qui sont bien conservées également. Je vous dirais que c'est un des principaux défis des sociétés historiques. On est souvent dans de fort beaux, mais fort vieux bâtiments et avec des conditions de conservation qui sont loin d'être optimales parce que les moyens ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. Or, les archivistes, ils contribuent en nous fournissant des conseils, ils contribuent en quelque sorte à nous aider à avoir de meilleures conditions de conservation pour nos archives et au départ à trier nos archives correctement, à déterminer ce qui vaut la peine, ce qui ne vaut pas la peine. Et par la suite, à avoir un système de classification qui va nous permettre de nous y retrouver.